Comment avoir de l'argent grâce aux crypto-monnaies? Ceci est le sujet de cette vidéo. Voilà le sujet de cette vidéo. Et cette vidéo est la cinquième vidéo de cette mini-formation. Alors si tu viens juste d'arriver, va dans la description, tu auras le lien des vidéos et contenus dans la mini-formation. Et j'espère bien aussi que tu t'es très bien installé. Car sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons parler ici de quatre moyens qui vont vous permettre d'avoir de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Bien vrai, il existe beaucoup de moyens, mais nous allons parler seulement de quatre. Le premier, c'est les airdrops. Le deuxième, c'est le holding. Le troisième, c'est le trading. Et le quatrième, c'est le minage. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément de trucs à partager dans cette vidéo. Bon, parlons maintenant du premier, les airdrops. Les airdrops, ça veut dire quoi? Quand on parle d'airdrop, c'est soit une crypto-monnaie qui vient nouvellement de naître. Et pour que ça soit plus connu, les membres de l'association, les membres qui ont créé cette crypto-monnaie disent, bon, on vous donne telle pièce. L'airdrop, c'est la distribution des pièces. Donc, on vous donne telle pièce pour faire telle chose. On vous donne telle pièce pour faire telle chose. Donc, souvent, les tâches à effectuer sont très simples. Dans la majorité des cas, vous rejoignez un groupe Telegram, un canal Telegram, leur canal et leur groupe, bien sûr. Vous vous abonnez à leur compte Twitter. Vous vous abonnez ou bien vous aimez leur page Facebook, ça dépend. Mais dans la majorité des cas, il vous faut un compte Telegram. Vous vous abonnez à leur groupe Telegram et leur canal Telegram. Ou leur compte Twitter, ça dépend, mais c'est très simple. Voilà les tâches, les gens à effectuer. Et si vous faites exactement ce qui a été demandé, on vous donne les pièces. Si c'est un vrai airdrop, parce qu'il y a aussi des airdrops qui ne payent pas. Il y a des gens mal intentionnés qui restent là dans leur coin juste pour avoir de visibilité, créer un faux truc qui dit que c'est les airdrops. Donc, si vous participez, vous ne recevez pas les pièces. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au courant des bonnes informations, histoire de ne pas perdre son temps dans les airdrops. Donc, voilà, je viens de parler du premier moyen. Nous allons parler du deuxième moyen. Mais avant que je n'aille sur le holding, pour l'airdrop, lorsqu'on vous dit, faites telle chose et on vous donne, par exemple, maintenant 10$ d'une pièce ou bien 20$ d'une pièce, à la fin de l'airdrop, c'est à la fin de l'airdrop qu'on paye. À la fin de l'airdrop, on vous donne ce qui est promis, exactement les 10$ de la pièce. Si par exemple maintenant, c'est 5 pièces qui font 10$, vous aurez les 5 pièces au moment précis. Il peut y arriver, vous pouvez avoir les 5 pièces aujourd'hui maintenant et demain, ces 5 pièces vont valoir 20$. Ou deux pièces vont valoir 7$ ou bien 5$. Ça dépend. Mais c'est ce qui a été promis qu'il donne. Il donne exactement la valeur de 10$. Genre l'équivalence de 10$, voilà, en la pièce. Maintenant, parlons du deuxième moyen, le holding. Le holding, c'est quoi? Le holding, c'est le fait d'acheter une crypto-monnaie ou bien d'acheter une pièce donnée et de conserver cette pièce pendant une longue période, pendant une longue durée. Vous pouvez décider d'acheter du Bitcoin, de mettre ça là, et puis 3 mois, 6 mois, 1 an après, vous revendez. Parce que c'est clair que 1 an après, vous aurez déjà fait des bénéfices. Donc, pour faire du holding, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, la première des choses, c'est faire les analyses. C'est pas analyser les graphes, non. Vous irez sur CoinMarketCap, vous choisissez la crypto-monnaie ou bien la pièce dans laquelle vous voulez investir. Vous regardez le projet. Est-ce que ce projet est un bon projet? Si vous jugez bon, ce projet est un bon projet, alors vous investissez et vous patientez
pour que la crypto-monnaie puisse monter. Lorsque la valeur de la crypto-monnaie monte, alors là, vous êtes en gain. Donc voilà le holding. Maintenant, le troisième moyen, c'est le trading. Le trading, c'est quoi? Le trading, c'est un peu comme du holding, mais à court terme, à très court terme. Le trading, c'est d'acheter une pièce et de revendre. Acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Mais tout en essayant d'être en gain. Donc, c'est ça le trading des crypto-monnaies. Et ça se fait sur des sites d'échange. Ça se fait sur les sites de trading. Il y a énormément de sites d'échange. Il y a énormément de sites de trading. Donc, sachez choisir vos sites de trading. Maintenant, le quatrième moyen, c'est du minage, je veux parler. Le minage, vous minez des crypto-monnaies. Miner une crypto-monnaie, ça veut dire quoi? Si on peut utiliser le terme fabriquer, même si c'est pas trop bien, on peut utiliser le terme fabriquer. Vous participez au minage d'une crypto-monnaie. Lorsque vous participez au minage, on vous paye. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a une chose, on ne peut jamais miner du Bitcoin avec son téléphone portable ou avec son ordinateur. Non, jamais, au grand jamais. Si vous voulez, tapez sur Google, allez sur Google, cherchez comment miner du Bitcoin. Ou bien les appareils qui minent du Bitcoin. Vous allez voir, vous ne pouvez pas le faire avec votre ordinateur ou bien votre PC. Si vous le faites avec votre ordinateur, c'est clair et net que après une durée de 3 ou 5 mois, votre ordinateur va se gâter. Ça, c'est clair. Donc, arrêtez de vous faire avoir par les vendeurs de rêves. Et d'autres aussi vont vous dire, bon, utilisez ce site pour miner du Bitcoin. Vous irez sur le titre, vous minez du Bitcoin. Ces sites sont majoritairement des faux sites. Dans la majorité des cas, ces sites sont des faux. Alors, évitez de croire en ces genres de trucs. Si vous voulez vraiment miner du Bitcoin, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est d'investir. Vous investissez dans une entreprise de minage. Il y a des entreprises qui sont là pour ça. Il y a des entreprises et leur travail, c'est de miner du Bitcoin. Donc, vous investissez, vous leur prêtez votre argent, eux, ils achètent les matériels nécessaires. Ils achètent les machines nécessaires pour le minage du Bitcoin. Donc, si eux, ils le font, s'ils minent les Bitcoins là, ils vous donnent maintenant un pourcentage de ce qui a été miné. Ils vous donnent un pourcentage. Donc, ce sont des contrats en effectué avec ces gens d'entreprise. Allez sur Google, tapez les sociétés de minage, vous allez voir. Et pour du minage, il faut vraiment le minage du Bitcoin, bien sûr, il faut de l'argent. Minimum $50, oui. Il faut de l'argent, minimum $50, c'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus. Minimum $50 et vous s'investissez. Et là maintenant, l'entreprise, vous faites un contrat sur un mois, bien deux mois, bien trois mois. Et vous êtes sûr et certain que après un mois, après deux mois, vous aurez tel bénéfice sur votre investissement. Maintenant, il est bien possible de miner d'autres crypto-monnaies juste avec une application mobile. Il est possible de miner d'autres crypto-monnaies avec une application mobile. Mais ce qui est impossible, c'est de miner du Bitcoin. Je précise, du Bitcoin. Vous pouvez toutefois miner d'autres pièces de crypto-monnaie avec une application mobile ou sur le téléphone ou sur le PC. Ça dépend. Donc voilà quatre moyens qui vont vous permettre de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais parler. Ce sont des sites d'investissement. Je ferai une autre vidéo pour bien expliquer ça, mais je tiens à dire ceci. Il y a certains sites d'investissement qui promettent le double de votre investissement en 24 heures. Il y a certains de ces sites qui promettent ça. Et c'est possible. C'est possible. Vous pouvez très bien investir $5 ou $2 ou $10 sur un site double. On les appelle les sites double. Vous pouvez le faire et avoir le double en 24 heures. Mais ces gens de sites scam très vite. Ça coupe très vite. Je dis bien, ça coupe très vite.
payer le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, paf, ils disparaissent avec votre argent. Donc, sachez, je ne vous refuse pas d'investir dans les sites doubles parce que des gens se le font et ça paye. Mais dans la majorité des cas, la majorité de ces sites sont des faux. Ils iront avec votre argent. Alors, pour investir, sachez comment investir histoire de ne pas vous faire arnaquer. Voilà, je viens de vous présenter 4 moyens qui vont vous permettre d'avoir de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Bon, j'espère que j'ai aidé certains. Si tel n'est pas le cas, s'il y a toujours des préoccupations, essayez de l'écrire, de les mettre en commentaire. Si je vois, je réponds. Et si vous n'êtes pas encore abonné de cette chaîne, abonnez-vous parce qu'il y aura énormément de contenu de gens qui seront partagés. Et il y a une surprise pour les abonnés. Tout à l'heure.